on reste dans la prévention spécialisée sur une convention partenariale module de réparation entre la commune et la DTPJJ. Voilà. Donc là, on passe à un grade un peu supérieur. Donc cette mesure de réparation, elle est ordonnée soit par le procureur de la République, soit par le tribunal pour enfants. Donc elle concerne les mineurs à partir de 13 ans et éventuellement des jeunes adultes qui ont commis des délits mineurs et délits qui sont... et elle est prononcée, plutôt, cette mesure de réparation, elle est prononcée en alternative à des poursuites. Et il est très important, et c'est quelque chose qui accompagne les jeunes et de façon très réactive, puisque il faut que les choses se mettent en place très vite pour aider le jeune à réfléchir sur son acte, éviter la récidive, bien sûr, et donc deux façons de travailler, soit une manière directe où le jeune est en contact avec la victime, si par exemple il y a eu vol ou quoi que ce soit, donc il est en contact avec la victime, soit de façon indirecte par la mise en place d'une activité de travail, voilà, avec la commune, par exemple. Donc, ces mesures sont sur 2 jours complets. Et comme je l'ai déjà dit, vraiment, l'objectif, c'est de faire prendre conscience aux jeunes des conséquences de son acte, en le mettant en lien quand c'est nécessaire avec la victime, de lui faire prendre conscience encore que ses conséquences sont pour lui-même d'abord, et puis que ça a aussi des conséquences sur la vie en société. Donc le but, comme je vous l'ai dit, c'est d'éviter la récidive, et puis d'accompagner ce jeune à ne pas se marginaliser et à établir le lien social. Un bilan est établi après l'exécution de la mesure. Et donc la convention qui vous est proposée ce soir, c'est pour pouvoir mettre cette mesure de réparation en place le plus rapidement possible. La convention, donc, elle est pour 3 ans et elle est assignée entre la commune et la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse. Très bien. Très bien. On est en train de se doter, là, si on additionne les trois, il y a encore une délibération d'éléments importants pour resserrer le filet, je dirais, pour protéger les jeunes et les protéger, y compris en assurant une réaction rapide pour tout acte délictuel, sous le contrôle, évidemment, du procureur de la République. Je crois que c'est aussi un élément essentiel, nouveau, du rôle d'une commune. Est-ce que, pas d'autres interventions, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Merci.